Viewer's discretion is strongly advised. If you're sensitive, if you dislike meat, or if you're vegan, watch the Spiralizer series instead. Very fun, but super safe. Let's continue. So that's what he's going to do next. Hey guys, salut, it's Alex. So today we are in a different location. I mean, I love my studio, but today it's a different place. It's my car. Qu'est-ce qu'il fout, merde? And for a reason, because we are on the road going to visit a friend of mine who happened to be one of the best butchers in Paris. Pop, 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 pop. No, 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 no. He's gonna teach us a lot about beef, about dry aging, about cuts. So it's gonna be very interesting. One thing worth mentioning, I'm gonna switch to French language as soon as I meet my friend John, because basically it's gonna be more easy and the flow is gonna be better. It is not his shop, the shop is closed at the moment, it's his headquarters. Ooh, so I do realize that in this discussion we are going to be very specific. So before we go any further, let me just state this clear. In most cases, meat in our case, beef cannot be sold just after being killed. It needs to rest for a few days first. And that is called aging beef. And later on in the video, when we refer to aging beef, in fact, that's a misuse of language because we're basically referring to dry aging beef. Just saying. Pour commencer, c'est quoi la maturation? Le principe, il est de concentrer les goûts en évaporant l'eau de la viande un maximum et en concentrant le collagène dans la viande et garder que l'essentiel. C'est beau ça. Si tu vas chez un boucher classique, c'est-à-dire pas quelqu'un qui fait un affinage de la viande particulier, quelle est sa durée moyenne de maturation, lui? Pour un boucher, ouais. Traditionnel, quasiment tout le monde va être au minimum à 12 jours. 12 jours? Minimum. Toi, ta maturation, c'est combien de jours? En moyenne? Ah, alors là, ça va être une question difficile à répondre. Ça ma dépend. Maturation à moi, sur une blonde d'Aquitaine, elle est en moyenne de 15 jours. D'accord. Ma maturation sur une race normande, elle est en moyenne de 35 à 40 jours. Pourquoi? Puisque c'est deux profils de bêtes qui sont complètement différents. Une qui est maigre pour une clientèle classique qui veut du muscle, donc qui veut pas de gras. Et l'opposé, une viande grasse avec un état d'engraissement supérieur à la norme, un vrai persillage à l'intérieur où on peut se permettre de monter même si on veut à bien plus de 40 jours. D'accord. Tu sais qu'il y a un boucher à Montréal, j'ai vu ça sur 360 jours. 365 ouais. jours, il fait une année. Mmh. Et il dit qu'il va même faire du bœuf. Séché 4 ans. Ouais, voilà, 7 ans. Il va faire une cuvée spéciale. C'était sa deuxième idée. Ouais. À 4 ans, il a vu que ça impactait pas cette journaliste. Alors il s'est dit que 7, c'était. On y était. Est-ce que la viande maturée va être plus tendre? Oui. Certain. Une viande qui est trop fraîche, c'est une viande ferme. C'est-à-dire qu'une blonde d'Aquitaine, la maturation, ça va lui apporter un peu de tendreté. Mais une normande, ça va lui apporter énormément de tendreté. Je capte. Est-ce que ça a un impact sur le goût? Ah bien sûr, ça a un impact considérable. En général, sur une bête qui s'y prête, la maturation va admettre un petit goût de noisette, va admettre un gras qui se sera bonifié avec une trentaine de jours de maturation. Il y a une modification structurelle du gras en fait. Ah ben complètement. Le gras, il se transforme. Ce qui amène le plus de toute façon de goût à la viande, c'est le gras. Ce gras et cette concentration de goût va faire que ça sera plus onctueux, un peu plus beurré en fait, un peu plus, comment dire, plus onctueux avec de la souplesse, avec de la mâche, avec du jus en bouche. Il y a du gras à l'extérieur et il y a du gras à l'intérieur. Tout à fait. C'est quoi? Le gras intramusculaire, c'est ce qu'on appelle nous en France persillé. Persillé. Persillé, ça veut dire il y a un marbrage à l'intérieur. Et une bête qui est très maigre, elle va être vraiment être très rouge vif, sans pigmentation de gras. Et à l'extérieur, c'est quoi la différence? Il nous faut minimum une couche de gras de 1,5 cm, 2 cm. Tout
toutes les viandes que vous verrez maturées sont obligatoirement des viandes, ce qu'on appelle nous, couvertes. Le gras protège le la gras viande. Protège la viande intégrale. Au bout de la période de maturation, à quoi elle ressemble visuellement, la viande ? La viande, elle est forcément pas présentable pour un client. Toutes les parties qui auront été en contact avec l'air seront oxydées. Le but, c'est pas de faire manger ce qui va être oxydé, ce qui va être abîmé au client. Donc, il y a un travail à faire dessus. Il suffira d'enlever tout le tour, comme une pelure, pour pouvoir se concentrer pour la vente du milieu. On mature que le bœuf ? Alors, chez moi, je mature que le bœuf. Tu fais pas maturer un mois les agneaux ? Non. Et le porc, ça se fait maturer ? Certaines personnes le font. Le porc, tu peux le maturer ? C'est possible certaines, de le faire ? Certaines personnes le font. Tu sais que c'est un homme politique. Écoutez, certaines personnes le font. Voilà, après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, moi, je crois que j'ai bien compris la maturation, la théorie en tout cas. Après la théorie, la pratique. Qu'on goûte la différence entre les deux morceaux. Ça marche ? Très bien. Eh bien, c'est parti. So guys, that's it. I hope you enjoy this first episode of the beef aging mini-series. If you did, give it a like, thumbs up and share that over your social media. You know the deal, spread it like butter. That would be really interesting to share any questions you have in mind in the comments and I will do my best to answer them. Last people, click subscribe because the next episode will be about tasting, which is, to say the least, juicy. In the meantime, take care, bye bye, salut.